Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc un petit tour, enfin 5 minutes, chez les félins, une superbe espèce. Elles sont dans un aquarium avec nid baissé, en sec, pas d'humidité. Bon, comme vous pouvez le savoir, les cuves d'aquarium fermées font de l'humidité quand même, hein. Elles s'y plaisent à merveille. Donc là, sous le gros tas là, de mélange de mousse et d'excavateur, elles ont fait des galeries. Donc, je sais pas combien elles peuvent être, mais assez nombreuses. Donc, chez cette espèce, il y a de beaux médias et d'énormes majors. Très belles couleurs. Agressives avec les insectes. Avec nous, non. Perso, je peux les prendre, elles me font rien. Très amatrice de liquides sucrés et de protéines. En tout genre. Donc là, c'est derrière du nid. Commence à se remplir du couvain de partout. À tout stade. Cette année va être explosif. C'est une espèce qu'on peut conseiller aux débutants s'ils sont rigoureux et patients sur le départ de la fondation. Les ginsoles sont très très chiantes. Et puis il faut la trouver à un bon prix. Une espèce qui est surcotée. Et qui se vend quand même un petit billet pour certains débutants. Comptez entre 35 et 50 euros. Beaucoup, des beaux couvains. Donc là, ça commence à bien manger. Faut y aller niveau blatte. Très belle mandibule, on peut voir le major ou média, moi, je préfère dire major. Elles sont à 27 degrés. Tout l'hiver sont jusqu'au mois de mai sont à température ambiante. Une belle couleur. Vous voyez, 75% d'humidité naturellement la cuve, donc ça leur convient. Donc voilà, une très très belle espèce. Camponotus fella. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures et bientôt concours matos et quelques endémiques. Salut à tous!